Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombard TV depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je vous dis à l'invite à suivre Fonds Assistant Économique et Social qui a fait distribution kit alimentaire ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois que visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard TV. Et bien nous pas perdre de temps, nous déroulé avec information yo. En ouais. Fonds Assistance Économique et Sociale FAES distribue kit alimentaire mardi 14 avril par diverses familles qui vivent dans le village République Argentine dans Delma 18 dans opération porte à porte là. FAES tant mes activités ça, dans objectif pour continuer aider monde qui plus faible faire face avec pandémie maladie ça. Ici dans Haïti. C'est information ça on pote pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Quand vivre dans village République Argentine Delma 18, recevoir mardi 14 avril là qui t'alimentait dans cadre opération porte à porte là, une initiative président République là Jovenel Moïse mettait sous pied pour bailler accompagnement à monde qui vit vulnérable pendant pandémie Covid 19 là. Citoyens salient démarche là pendant yo souhaiter jeune plus moyen. Dit président merci au seul balai m'a tout dit. Tout côté qui est site, qui est timon, s'il était fait le conseil, il était pimé pour éviter les maladies. Nous voulons dire merci. Chaque côté fait le conseil, pas mettre mon souligne, pas le faire bouillir, pas le faire gourmer. Nous disons président merci. Nous avons parlé de gourmer uniquement passé, nous déposer pour nous nous prendre. Nous tant mieux parce que nous ne pouvons pas faire de journée parce que nous ne pouvons pas faire de bébé pour nous gourmer. Nous voulons dire président Jovenel merci. Nous voulons dire merci. 15-22 jours, je suis sorti dans la rue. La proposition, on avait maladie parce que la fait actualité dans tout le pays. Nous mettons la caille, nous prenons le janvier. Je dis président, merci, continuez le travail parce que les choses sont difficiles. Emile Joseph est une responsable village République Argentine. Salut discipline et transparence qui gagne la distribution. Pendant les souhaiter responsables, toujours accompagner les gens qui vivent les rabios, ça permet de continuer à être en Nakayo pendant la maladie coronavirus. Nous remercions le président, le fait qu'il est passé avec une masse défavorisée, parce qu'il y a plus de la population qui n'a pas de moyens pour acheter manger, mettre la caillou, pour approvisionner la caillou à cause de la moyens. Mais le fait que le président Baron l'a découvert, il fait confinement qui est possible pour éviter. Qu'on a propagé son bel geste. Je veux dire, nous recevons le village de l'Argentine. Nous pensons que Marcel a la fête dans tout notre village. Et puis, plus fort population, nous pensons que toute population, la privée jeune, toute population, de ce que le président prend sur le peuple pour lui donner la chance que le passé peuple a toujours été existé en vie. Et puis, pour le respecter, tout le monde qui passe pour le respecter. Il faut nous faire la fête très bien, il faut avec transparence parce que nous n'avons pas besoin là, depuis là, nous parlons de la Cali, on est pour lui. Avec belle transparence, nous sommes bel geste. Allez, il fait bien, pas de monde qui a dit le bac à jeune. Tout le monde jeune, normal, normal. Ça veut dire que ce geste-là, s'il fait comme ça de tous côtés, il bosse sans désordre avec la discipline. Mais nous-mêmes, tout, ici, nous avons avec discipline. Pas nous avons fait la préfète en désordre. C'est Remezi Sayo, inscrit dans le cadre de GFOR administration en place là, entreprendre, pour permettre aux gens qui sont dans le quartier de favoriser, continuer à jouer un petit peu l'État. Un qui te prend décision pour que demander expertise consortium ça. Consortium ça, nous sommes là, nous avons toutes nos compagnies Sayo. Yo là, vous capables de boire. C'est Mr. Clean, c'est Jetco, c'est Booker, 509, c'est nous toutes 10 entreprises qui sont sur le marché. Peut-être qu'il y a un peu là donc qui connaît nous. C'est nous-mêmes qui prenons des décisions pour que nous accompagnions tout le monde dans le sens qui voulait porter une réponse commune à COVID-19. Là. Maintenant, là, nous avons un matin, par rapport à Merlin, nous avons fait une séance de formation pour représentants mairie qui te gagne protection civile là-dedans, qui te gagne pompier là-dedans, qui te gagne logistique là-dedans, qui te gagne voirie là-dedans, qui te gagne responsable marché là-dedans. C'est réunion ça, c'est matin ça, c'est séance de formation ça, on devine faire là. Il va montrer moun yo comment pour faire désinfection, comment pour faire aspersion dans marché yo, dans édifice public là, dans l'hôpital yo. Phase nous est là, question posée souvent, est-ce que l'hôpital privé est prêt? Après, ça veut dire est-ce qu'il y a des matériels, des équipements, il y a un espace d'accueil pour malades, pour être capable de recevoir malades et commencer à faire traitement COVID. On a dit que nous, dans la phase, côté nous en train d'essayer de finaliser une vision commune ensemble avec l'État pour que le secteur privé soit beaucoup plus opérationnel par rapport à cela. Parce qu'en fait, la réponse au COVID, c'est une réponse
très complexe et c'est pas pour rien que des pays qui beaucoup mieux structurés passés nous ont autant de difficultés. Le dialogue il est lancé, notamment le dialogue, ça dialogue là, il est lancé, il a marché à pas rapide, il est pratiquement en train d'atterrir. Et au niveau du secteur privé de la santé, nous sommes capables de dire que nous autres, nous sommes en train de nous espérer qu'entre fin semaine ça et semaine prochaine, nous sommes capables de clair sous qui ça que l'État a partant de nous et sous qui ça que nous-mêmes, n'a pas d'ailleurs comme contribution directe en matière de réponse au COVID. Ceci étant dit, il y a trois clarifications, mais trois domaines d'intervention que nous devons faire dans la prise de parole. Ça. Premièrement, c'est que pour l'instant, il y a des discussions actives entre le secteur privé de la santé et l'État haïtien. Et discussions sérieuses, c'est des discussions qui sont en train de finaliser et nous pensons que très rapidement, ensemble, nous sommes capables d'ailleurs et quel sera le positionnement ou quelle sera la contribution de l'hôpital privé. Deuxième bagaille que nous t'avons dit, c'est que nous présenter à l'État positionnement secteur privé de la santé. Et positionnement, l'éclair, c'est que nous voulons faire partie de l'espace de décision parce que nous pensons que nous avons une contribution que nous sommes capables de porter et que en termes de coordination, nous avons besoin de passerelles, de communication, nous avons besoin de capables de dialoguer plus facilement avec l'État, ce qui a déjà commencé dans sa mise en œuvre. Deuxième, ça que nous présentons à l'État par rapport avec réponse et par rapport à où nous la réponse, nan, c'est que nous clair sur le fait que prise en charge de monde qui est infecté par virus COVID là est très important, mais nous avons besoin pour que tout le monde garde en tête aussi que malheureusement maladie COVID là n'est pas éliminé l'autre maladie ou bien toute l'autre maladie, que ce soit hypertension, femme enceinte, monde qui a des urgences, monde qui a des interventions chirurgicales pour faire, tout cas ça a continué à exister. Et nous autres, professionnels de santé, responsables d'institutions hospitalières, nous tient à ce que le pays connaît que femme continue à prendre en charge aussi malade qui n'est pas malade COVID. Maintenant, là nous prenons un malade qui est infecté par un virus là et qui développe maladie, hein, nous dit que nous sommes en train de discuter pour permettre à ce que gagner implication des institutions privées de la santé. Nous capables de dire que nous autres dans le réseau par nous, nous avons environ une vingtaine d'institutions hospitalières, on vient de l'hôpital qui a discuté pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de participer. Nous déjà mettre des propositions et pratiquement très concrètes à la commission et très rapidement nous avons pour nous rencontrer ensemble avec eux. Mais nous dit que participation par nous, hein, une des conditions que nous voulons mettre là-dedans, c'est que participation par nous, hein, les doit venir en appui avec et réponse que institution publique de la santé est capable de faire, parce que nous pensons que institution publique a gagné et le secteur public de la santé va être très important que nous directement impliqué dans la réponse là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.